Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme c'est écrit dans le titre ici, c'est là le titre? Ouais, je pense que c'est ici. On va parler de microdoses de champignons hallucinogènes, aussi connus sous le nom scientifique de psilocybine cubensis. Psilocybine cubensis pour les champignons et psilocybine pour la molécule active principale. Voilà. Du coup, si je me permets d'en parler aujourd'hui, c'est que dans le passé, dans les dernières années, ça m'est déjà arrivé de microdoser, mais c'était pas sur une longue période. C'est-à-dire, je microdosais sur une semaine, 2 semaines, puis j'arrêtais. Et d'après les recherches que j'ai fait sur Internet, les véritables effets de la microdose, c'est des choses qu'on peut voir, remarquer au bout de quelques mois. Et du coup, moi, je dirais que j'ai commencé à microdoser il y a 3 mois, on va dire, 3 mois comme ça. Et avant de le faire, je me suis d'abord beaucoup renseigné. Du coup, il y a deux méthodes qui sont connues. La plus classique et la plus connue, c'est celle de James Fadiman, qui consiste à en prendre un jour, ne pas en prendre 2 jours, en prendre un jour, ne pas en prendre 2 jours, et ne prendre que ça. La deuxième méthode, celle qui, franchement, a plus touché à cœur, c'est d'en prendre pendant 4 jours d'affilée et de ne pas en prendre pendant 3 jours. Et avec ça, de prendre du Lion's Mane. Et vous me direz, mesdames et messieurs, qu'est-ce que le Lion's Mane? Le Lion's Mane est un autre champignon qui pousse en Asie, mais ce n'est pas un champignon psychédélique, hallucinogène, etc. C'est quelque chose qui a été découvert il y a très longtemps, mais comment ça a été commercialisé dans le monde, on peut en commander, je pense, n'importe où, il n'y a pas très longtemps. Et franchement, des recherches et des témoignages que j'ai vus sur Internet, c'était vraiment un truc qui peut changer les vies, si c'est bien fait. Alors, j'ai lu des témoignages de personnes qui étaient accros à la meth, qui avaient vraiment, je sais pas, des gens qui étaient vraiment en très mauvaise santé physique, et ils ont dit, j'ai essayé des tonnes de suppléments, des tonnes de conneries, et le Lion's Mane, c'est vraiment un truc qui m'a aidé. Du coup, pour Paul Stamets, il faut prendre du Lion's Mane tous les jours, et je dirais c'est ce que je fais quasiment tous les jours depuis 3-4 mois, et de prendre le psilocybine cubensis, les champignons, 4 jours par semaine d'affilée et 3 jours off. Du coup, voilà. Maintenant, on va parler des dosages. Que ce soit pour James Fadiman ou Paul Stamets, le dosage, on va dire, il se situe entre 0,1 et 1 gramme. Mais après, de mon expérience et des témoignages que j'ai vus, honnêtement, quand on s'approche, quand on dépasse un demi-gramme, 0,5, 0,6, vous commencez un petit peu à triper. Genre, c'est un. Perso, je trouve que c'est un peu too much, mais je suis sûr qu'il y a des gens pour qui ça va. Et pour le 0,1, j'ai lu des témoignages de personnes qui avaient, par exemple, certaines maladies comme bipolarité ou personnalité borderline, etc., qui prenaient moins de 0,1, c'est-à-dire ils prenaient 50 mg. Du coup, voilà, je pense que c'est à chacun de trouver la dose qui lui va. Parce que quand c'est trop bas, c'est comme tu sens rien concrètement, mais t'es un petit peu dérangé. Quand tu prends trop, tu sens beaucoup trop, tu peux pas trop vivre ta vie normalement. Mais quand tu trouves le juste milieu, t'as juste assez pour te sentir un petit peu dans un état où ton cerveau va plus vite, où tu fais plus attention aux détails, etc., sans être dans l'un ou l'autre. Voilà. Et pour le Lion's Mane, les dosages que j'ai vus sur Internet, c'est entre 1 demi-gramme par jour et 3 grammes par jour. Et je dirais, au début, il faut commencer léger, parce que l'estomac n'est pas trop habitué. Genre, au début, j'ai pris 3 grammes d'un seul coup, j'ai un peu galéré dans mon estomac. Du coup, j'ai commencé à être à 1 gramme, 2 grammes. Et il y a des jours où je suis aussi monté à 5 grammes. Genre, j'ai vu des gens qui disaient que les hautes doses pouvaient aussi être intéressantes. Du coup, voilà. Du coup, je suis pas un professionnel, je vous fais juste part de mon témoignage et de mes recherches. Faites vos propres recherches. Mais je dirais, personnellement, moi, une dose qui me convenait bien et que je prenais tous les jours sans trop de soucis, c'était entre 2 et 3 grammes de la.
Et ma dose, moi, personnellement, qui m'allait bien pour les champis, c'est entre 0,15 et 0,25. Voilà. Du coup, déjà, les champignons, je vous conseille, si vous pouvez, en fonction des lois dans vos pays, etc., de faire pousser vous-même. Franchement, ça revient pas cher du tout. Et c'est très facile à faire pousser. Genre, vous regardez quelques tutos YouTube, vous faites ça bien, vous. Bref, genre il y a des tutos YouTube partout, je peux même vous en faire un, même si je l'ai fait une seule fois, mais s'il y a des gens qui demandent, ça ne me dérange pas. Voilà. Voilà. Du coup, au début, je faisais 4 jours oui, 3 jours non, 4 jours oui. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, personnellement et par rapport à ce que je disais, que je le faisais au feeling. Du coup, j'ai commencé à faire 2 jours non, 2 jours oui, 2 jours oui, 1 jour non. Je ne dépassais pas 4 fois par semaine, mais je faisais au moins 2 fois par semaine. Et je faisais ça à peu près comme je voulais, comme je le sentais. J'ai commencé à me rendre compte, c'est comme avec toute médecine naturelle. Chaque personne peut le faire de la manière dont il en a envie. Du coup, ça par exemple, c'est du Lion's Mane. Voilà, aujourd'hui je microdose pas. Et voilà, le Lion's Mane, je le mets avec du thé chaud. J'ai arrêté le café parce que je trouve le café ça provoque beaucoup de stress et c'est une drogue que tout le monde consomme, tout le monde a des effets négatifs, tout le monde a du mal à arrêter et tout le monde s'en fout. Voilà, c'est, je sais pas, je suis anti-café. Mais le thé, j'aime beaucoup. Du coup, je le mets dans du thé, puis je rajoute, je sais pas, du miel, ou je sais pas, de la verveine, enfin des trucs comme ça. Et du coup, comment le consommer? Je dirais, le meilleur à faire, c'est dès le matin. Genre, vous devez commencer à installer une petite routine, en mode, vous vous réveillez, vous vous jetez pas sur votre téléphone voir l'heure, sur votre ordinateur voir qui vous a parlé ou pas. Non, faut, genre, microdoser, je pense que si vous ne mettez pas un minimum du vôtre pour commencer à avoir une routine un petit peu healthy le matin, ça va pas spécialement faire le taf. Et je pense, par exemple, si quelqu'un travaille beaucoup, il peut même le faire, genre juste, par exemple, samedi, dimanche, les jours où il bosse pas, et le reste de la semaine, il microdose pas. Mais voilà, ça dépend de vous. Mais moi, les jours où je microdose, qu'est-ce que je fais? Je me réveille, j'essaye de pas toucher d'appareil électronique, je prends mon cahier. Mon cahier qui est là, et j'écris. J'avais pour coutume d'écrire 3 pages par jour sur les conseils de mon petit frère. 3 pages le matin, ça permet vraiment de commencer à créer sa propre réalité. Du coup, je me réveille. En vrai, j'écris pas direct, genre j'attends d'avoir un petit peu l'effet des champis. Du coup, je me lève, le premier truc que je fais, ouais, c'est les champis. Du coup, je mets une dose entre 0,15 et 0,25. Je le mets avec du thé. Du Lion's Mane, je vous le conseille fortement. Genre, le Lion's Mane, c'est un truc génial, franchement. Et après, je le bois. Vous n'êtes pas obligé de le boire d'un coup, genre, buvez-le tranquillement. Mais voilà, buvez-le en un quart d'heure, comme du thé ou en 2 minutes, genre, chacun son délire, en vrai. Et après, direction douche froide. Parce que ça prend 30-40 minutes à monter. Et douche, enfin, froide, froide, moi, honnêtement, je prends une douche chaude et juste à la fin, je mets du froid pour awake. Et après, je rentre. Je commence à écrire ou je commence à méditer. Voilà, je sais juste que pendant la montée, on peut appeler ça une montée, même si la dose est très légère, vous avez quand même un moment où, imaginez ce cercle, c'est votre zone de confort, et il part, et il devient plus grand. Du coup, vous êtes là en train de vous perdre un peu. Si vous faites n'importe quoi, votre zone de confort, elle va, genre juste vous allez essayer de trouver le centre, et votre zone de confort va se refermer sur vous, là où elle était comme ça. Mais si, quand votre zone de confort s'ouvre, vous êtes en train de méditer, vous allez laisser votre petite personne s'ouvrir comme ça, si vous écrivez méditer, et du coup, votre zone de confort va grandir. Et vous allez être plus maître de vous-même, ou je sais pas comment dire. Du coup, voilà, méditer, écrire, écouter de la musique, rien qui vous implique dans du stress ou quoi que ce soit, quelque chose qui permet vraiment de vous recentrer avec vous-même. Et voilà, moi ça m'arrive de rien manger avec, ou ça m'arrive de manger un peu, mais voilà, faites pas un petit déjeuner fat quand vous faites ça, genre faites un petit déjeuner équilibré, genre je sais pas, des œufs, des fruits, un peu de pain, du fromage, je sais pas, genre bon, pas un truc abusé.
Mais ou sinon vous pouvez même rien prendre, genre j'ai lu que jeûner, genre faire du fasting intermittent ou quoi en même temps que prendre des champignons, ça fait vraiment des vertus intéressantes. Et voilà. Je pense que je pourrais encore plus rentrer dans les détails, mais ça allongerait la vidéo. Du coup, est-ce que j'ai encore quelque chose à rajouter? Bah, je dirais que si vous voulez savoir combien de temps ça dure, je dirais que toute votre journée, et même le lendemain et les jours qui suivent, commencent à être différents. Genre, au début, vous sentez pas trop la différence. Genre, vous vous dites, ah, je suis dans un état, puis ça part au bout de 5-6 heures. Mais plus vous le faites, genre, au bout de 3-4 semaines, vous commencez vraiment à sentir qu'il y a une différence dans votre vie. Genre, votre focus sur des choses précises et d'améliorer votre vous êtes plus calme, plus zen, vous faites plus attention à vos propres réactions avant de faire attention aux réactions des autres, vous n'êtes plus genre juste poussé par la vie et voilà, vous êtes vous-même en train de gérer et de comprendre votre vie différemment. Du coup, est-ce que c'est quelque chose que je conseillerais? Oui, clairement, mais je pense pas à n'importe qui. Pas à n'importe qui, genre chaque personne doit savoir comment le faire. Et je vous conseille de bah, les faire pousser, parce que pendant que vous les faites pousser, vous leur donnez de l'importance, vous commencez à y penser, vous faites vos recherches, vous prenez un cahier, vous commencez à écrire un petit peu votre vie, vos pensées, comment vous voulez voir les choses. Mais sinon, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan mental, personnellement, j'ai senti beaucoup d'amélioration. Beaucoup d'amélioration. Je réagis moins à ce qui se passe autour de moi. J'arrive à être plus calme. J'arrive à prendre mes propres décisions. Et je trouve ça, vraiment cool et vraiment intéressant. Du coup, voilà les amis. J'espère que mon témoignage vous a plu. Ah oui, aussi, excuse-moi, ça m'a beaucoup aidé. Genre, au début, quand j'ai commencé à microdoser les champignons, je devais fumer un demi-paquet par jour. Et là, aujourd'hui, au jour où je vous parle, dans les 3-4 derniers jours, j'ai dû fumer un quart de cigarette. Du coup, voilà, genre, j'ai mis ma volonté, mais microdoser les champignons, ça m'a clairement beaucoup aidé à sortir cette addiction de la cigarette. Et sincèrement, je remercie beaucoup les champignons pour l'aide qu'ils m'ont apportée sur ce point. Voilà. Les amis, du coup, je vous... Et je vous dis au revoir, à bientôt. Et si vous voulez voir quoi que ce soit dans mes vidéos, je sais pas, écrivez-le en commentaire. Si personne n'écrit rien, je vais le faire au fini, quand je le sens. Sinon, bah oui, moi ça me fait plaisir de vous faire plaisir et de vous parler de ce que je connais. J'ai quand même testé dans ma vie plus de 60 molécules psychoactives, plus d'une dizaine psychédéliques, et du coup j'ai grave envie de partager ça avec vous. Du coup c'était lui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo la prochaine fois, au revoir, n'hésitez pas à laisser des pouces. Non, bah non, pas ceux-là, mais non, ceux-là ils sont méchants, genre c'est ceux-là qui font en mode genre Jules César, veux-tu tuer le gladiateur? Oui, meurs gladiateur! Ouais, non, mais non, ne faites pas ça, non, s'il te plaît, non, pas un gueule, pas un gueule, non, s'il vous plaît, oui, je jure solennellement sur tout ce qui existe au monde que là je suis juste en train de vous tirer de plus en plus loin dans la vidéo. Genre, si vous êtes encore là à regarder, il n'y a aucun sens. Parce que si vous êtes venu pour que moi je vous parle de microdoser les champis, bah vous serez déjà parti au bout d'un moment. Parce que là, j'en parle plus. Genre, tout ce que j'avais à dire dessus, je l'ai dit. Est-ce que j'ai encore des choses à dire? Bof, je sais pas. Juste que franchement, j'ai vraiment eu des méditations ouf avec. Et que avant d'en prendre, bah, j'avais du mal à dépasser 10 minutes de méditation, je pense les moments où je forçais, j'arrivais à faire 1 heure, mais depuis les champis, j'arrive facilement à dépasser 1 heure, et quand je me pose méditer sans raison, je fais 20-30 minutes sans souci. Voilà. Et, ah, vous avez dit que j'allais plus en parler, j'en parle, est-ce que je suis réellement en train de vous embrouiller l'esprit? Je ne sais pas.
Je ne sais pas, mesdames et messieurs. Et je vois que pour l'instant, personne dans les commentaires n'a posé de questions sur ces cartes. Vous savez, de tout ce que je vous dis, c'est vraiment ça le plus important, mesdames et messieurs. Ces cartes-là, aussi basiques qu'elles sont, peuvent changer votre vie, mesdames et messieurs. Bisous, bisous, les sangs de la veine. Je vous souhaite une bonne journée. Love you!